comme chez toi. T'as l'air tout droit sorti d'un monde du noyau. Ça fait plaisir. Vous venez du noyau ? Je plaide coupable. J'ai étudié l'économie galactique auprès des plus brillants esprits de Coruscant. Les mêmes esprits qui ont disparu dans l'anonymat alors que de vraies opportunités frappaient à leur porte. De vraies opportunités ? Oh, tu sais, le commerce exonéré, les importations extrajudiciaires, ce genre de choses. Ah, vous voulez dire de la contrebande ? Cette galaxie ne demande qu'à te remplir les poches. Tout ce que t'as à faire, c'est lui obéir. J'ai peut-être localisé une autre salle de méditation, Cal. Où ça ? Dans le silo de la vallée. Personne n'est entré depuis un moment, mais il y a des rumeurs. Mmh. Ah. Comment t'as fini dans la production musicale ? J'ai vu le jour sur Ryosa, dans la bordure intérieure. Il paraît qu'il y a beaucoup d'industrie là-bas. Ouais, on pouvait pas échapper aux usines. Alors je composais des petites musiques dans ma tête avec leur bruit. T'as commencé très tôt ? Et j'ai jamais arrêté. Cal ! Vise un peu ce saloon ! Monk n'a pas chômé. Je l'ai aidé en restant à l'écart. Tu savais qu'il y avait même un jardin sur le toit ? Oui, je l'ai vu. Tu sais ce que j'aime chez les plantes ? Quand je leur parle, elles ne peuvent pas s'en aller. Ok. Bonjour, étranger. Vous pouvez m'appeler Cal. Non, je ne crois pas. Très bien. Vous ne ressemblez pas aux autres prospecteurs. Non, non, non. Ils creusent en quête de trésors. Tout l'acte creuse en quête de choses autrement plus élusives. Vous gagnez beaucoup de crédit dans ce secteur ? La sagesse ne se gâte jamais. Et nul n'en a jamais assez. Pourquoi la nuée te recherche ? Centre. C'est pas le quartier idéal pour toi ces derniers temps, si ? Je veux pas en parler. Bonne réponse. Enfin bref, une tireuse d'élite du nom de Gat Meadow a essayé de remonter ta piste depuis une usine de viande. Elle a pris quelques hommes avec elle, mais si tu tues l'alpha, toute la meute se dissout. On va essayer de faire attention. Bien ! Ça me ferait de la peine qu'il t'arrive un truc. On commence à bien s'entendre, Cal. Comment ça va, y a du monde ici ? T'as une seconde, Monk ? Tout le monde tient le coup, Monk ? Eh ben, tout va bien pour le moment. Les pillards ont un peu foutu les jetons à certains clients en débarquant, mais il en faudra plus que ça pour nous impressionner. Parfait. Et toi, tu vas bien ? Calme, mon garçon, je vais te répéter ce que j'ai dit à ces pillards. De quoi ? Vas-y, tire ! Mais sache que tu tires sur le meilleur barman de tout Kobo. Okay. À la prochaine. C'est privé. Bon, très bien. Oh, doucement, Grog. Excuse mon ami, tu veux. Il est un peu méfiant. Ouais, je comprends. Je m'appelle Dana. Et le vieux ronchon, c'est Grog. Moi, c'est Cal. Lui, c'est BD. Dis-tu ? Tu cherches un boulot ? Grog et moi, on sait transformer les opportunités en profit. Ça, ouais. T'as bien su faire tomber cette armature en duracier sur moi. Grog est sur les nerfs et il a foiré notre dernier boulot dans la gorge déterrée. Cal, cette nana a failli me tuer. Elle a pratiquement écrit mon épitaphe. Oh, c'est l'heure de ta sieste, Grog le bougon. Hein ? N'est-ce pas ? Je vais vous laisser. Pas ? Oh, espèce de folle. Vieux grincheux. Ils sont mignons. Elle a beaucoup fumé, ouais. Il y a un Goroko qui rôde dans la gorge déterrée. Ah bon ? Une sale bête. Il me rappelle une créature qu'on chassait sur Farana avec ma sœur. Rapide, coriace, elle détruisait tout sur son passage. Ça a l'air dangereux. Et il est tout à toi, mon conseil. Quand il se déchaîne, écarte-toi de son chemin avant de te faire aplatir. Merci pour la mise en garde. Tu sais de quoi cet endroit a besoin ? Une cabine sanitaire fonctionnelle ? Non, de discipline. Ces saletés de pillards sont juste rentrés, comme ça, et ils sont partis avec Z.
Je quitte la planète pendant une seconde et le saloon est sans dessus dessous. Il va falloir qu'ils se mettent dans le crâne que je peux pas jouer les petits chefs tout le temps. Les gens doivent apprendre à se défendre eux-mêmes, Grise. Tu peux pas te battre pour eux éternellement. Comme ça, gamin, que la tempête m'emporte, l'aquarium est à moitié plein. J'espère qu'ils s'entendent bien. Ouais, mais on a encore du pain sur la planche, petit. Il y a encore des bulles disponibles pour d'autres poissons. On continue la pêche. Zed, t'as des conseils pour affronter Dagan ? Eh bien, c'est vrai qu'à l'époque, je l'ai regardé s'entraîner. C'est un guerrier féroce, avec un véritable don pour trouver les faiblesses de son adversaire. Alors n'en montre aucune. Si c'était aussi simple. À qui le dis-tu ? Pourquoi est-ce que nos ennemis sont toujours ceux qui exploitent le mieux nos faiblesses ? Pas maintenant, Cal. Avec la mort de Révis, les pillards du chaos ont subi une grande perte. Ils sont encore plus dangereux. C'est pas comme s'ils étaient inoffensifs avant. Non. En effet. Je vais veiller sur l'avant-poste. Les pillards risquent de frapper s'ils pensent qu'on est vulnérable. Je reviens aussi vite que je peux. Je te fais confiance. Je t'attendrai. C'est pas grand-chose. Ok. Bon. Du coup, j'ai fait une récolte de 4 secondaires. On va aller voir ça. Et pas une prime ? Je pensais que j'avais... Si, si. Ouais, mais ça s'affiche du coup ? Ouais... Alors la touche montée de niveau ne marche pas. Essayez. C'est étrange. Ça c'est la quête secondaire ou la prime ? Rumeur, c'est une rumeur, donc non. Quête principale. Ouais, c'est pas... Que c'est sur cette planète. Affiché sur la carte, ouais. Coruscant. Ah ! Effectivement, c'est pas la bonne planète. Donc. En termes de rumeurs, explorer la salle, ouais, c'est parti. Oh, c'est au centre. Au début du jeu. Hein. Donc on s'est écrasé là, donc on est descendu. Ouais, c'est au tout début. Donc le TP intéressant serait. Il y a des trucs à débloquer avant. Ah. De toute façon, j'y reviendrai. Donc, la vallée sud. Je dois me recentrer. C'était tout le temps.
Agilité impressionnante. C'est ça, d'où ça sort, pourquoi? Explication. Cessez de résister. Guide tactique mis à jour, ouais, c'est horrible. Ennemi légendaire vaincu. Ok, c'était gratuit. On descend. Sésame, ouvre-toi. Il y a clairement une bastiole ici. Qu'est-ce que ça? Belle trouvaille, BD. Coupe de réservoir d'eau. C'est de l'eau qui coule là ? Ah, ouais. Mais restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Il y a des lois à respecter ici. Oh, écris qu'on se casse! Je crois pas. Je suis arrivé de ce côté-là. Ok. Et du coup, maintenant, faut que je monte sur... Voilà. Ça me suit pas.
D'accord, d'accord, je regarde. Je vais descendre petit à petit, j'imagine. Bouc et moustache, d'accord. Alors, non. Je sais pas ce que je fais. Émissaire là, non plus. Là-haut, je veux voir. Voilà. Ok. J'ai dit. Quoi faire? Ah, j'aurais dû faire ça pour monter normalement. Ah mais non, mais moi j'aime pas le chemin normal. Est-ce que je peux sauter assez loin pour faire ça? Alors si s'accrocher, oui, mais sinon non. J'ai besoin d'aide. Timé, ok. Moins intéressant. Voici la salle de méditation dont Toa nous a parlé. Vous cachez quelque chose, hein? Oui, je sens. Mais je suis arrivé jusque-là. Trop de sang versé. Encore un peu plus loin.
Bienvenue, Jedi. Pas ton de esprit est ton plus grand atout. Il te sert à la fois de lame et de bouclier contre les forces des ténèbres. La force s'entrevoit dans tes pensées. C'est qui, toi ? Tes actions. Laisse-la te guider. J'ai quand même moins mal que l'autre. Et t'as beaucoup moins de capacité, c'est plus simple. Ah! Ok. Bon, deux fois de suite quand même. Si, hein, je peux faire deux fois. Ok. Victoire de Anosh Estra. Ces grottes sont une merveille. Attends de visiter la station de surveillance. Les champignons qui s'y trouvent vont t'étonner. Mmh. Bien joué, BD. Ah, c'était juste... Enfin, juste, entre guillemets, ça. C'est simple à voir, de toute façon, il y a 5 objets, quand même. Encore une essence, c'est un trésor, et... Ok. C'est un peu plus grand que... C'est cela, quand même. Les pièces sont uniques. Ouais. Elles nous permettent toutes de peaufiner une facette différente. Intéressant. Nous allons étudier la façon dont nous pourrions faciliter votre travail. Les Jedi et la République, ils travaillent ensemble. Je me souviens à peine de cette époque. Ce qui m'embête un petit peu quand même, c'est que il me manque encore un trésor. Un trésor, c'est le petit truc que je ramasse. Non, c'est les données. C'est un coffre? Bah non, c'est pas un coffre. Bon. Puisque c'était le trésor. Il n'y a pas beaucoup de choix. Hein. Je vais tout longer comme un con et voilà. Je parie que Z peut le déchiffrer pour nous. Il faut casser tous les pots. C'était vraiment la carte. Et j'appuie sur 5 sur 5. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, il faudrait que je remonte parce que du coup j'aurai une autre rumeur à faire. Éliminer la matriarche. Oh, ok, c'est un boss. J'ai un boss à faire là-haut. On va remonter. Un petit raccourci.
maintenant. Oui, je dois prendre l'ascenseur, ça sert à rien. Monter, redescendre. Non, bien énervé, je me dis que non. Là, sur la plateforme où je suis, il y aurait un point que je pouvais pas faire avant que je peux faire maintenant. J'ai fait le drone là, ouais. Ça a dû faire mal. Ah, je crois que le dernier drone c'est... Mais sur des chiens. Ah ouais, j'étais en bas la dernière fois. Chercher à monter, chercher comment on faisait pour faire pour monter, et bah de toute façon je ne pouvais pas. Ok, bon, faut mettre une bouboule d'énergie. Ah oui, d'accord. Si je la jette là, je vois pas très bien où est la zone où je dois l'envoyer. Plus vraiment au bord. Oups. Ok. C'est pour faire apparaître un truc explosif.
Allez, BD. Ok. Vas-y, merci. Ouais. BD1, par ici. Ah, je dois bien faire péter quelque chose quand même. Ah oui, ok, je comprends. Voilà. Ah. Pour garder la fin. Un steam, BD. J'ai eu chaud. Ouais. Pas comme ça. Pas mal. Une essence pour récompense. Et il y a un nouvel emplacement d'avantage. Regarde ce qui est d'un seul emplacement qui m'intéresse.